Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie bien spécifique du signe qui conclut la roue du zodiaque, marque la fin de l'hiver et le retour du printemps, car j'ai un besoin fondamental d'ondoyer, de me laisser porter par les courants en osmose avec la vie. Alors, j'espère que pour cette année 2018, tu m'as concocté un magnifique programme d'évolution. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre horoscope créatif de l'année 2018. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons balayer ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Une année qui est placée sous le signe de l'abondance, de la réalisation. Mais je voudrais d'abord que nous parlions de créativité et du principe de cet horoscope créatif, parce que l'idée, en fait, elle est toute simple, la proposition. C'est de créer votre vie à partir de l'influence du champ vibratoire des planètes, plutôt que de subir cette influence. Je vous invite à vous ouvrir à une compréhension plus vaste de votre vie, où les planètes vont vous parler en termes d'influence, de cycle, et à faire une lecture active en fait de cette influence pour votre évolution, pour votre futur. Car les planètes, ce sont des amies messagères qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Elles sont là pour nous permettre de réaliser notre mission de vie. Elles sont branchées futur, elles ne regardent pas en arrière. Et donc l'astrologie que je vous propose, c'est une astrologie évolutive. Donc, quel est le programme de cette année 2018 pour vous les poissons? Eh bien tout d'abord, c'est une année 11. 11, c'est un nombre à forte vibration. C'est un nombre porteur d'évolution, tout comme les énergies de votre signe le sont. C'est une année où Uranus, la planète du changement et de l'évolution, va dans le signe du taureau et où dans la Terre, de façon concrète, nous sommes tous individuellement et collectivement amenés à changer des choses. Ça se passe sur le terrain. Nous avons également l'entrée de Saturne en Capricorne, donc au sextile de votre signe. Cette énergie de Terre vient féconder vos os, vient amener du solide en fait dans ce liquide qui parfois se répand un peu trop et n'a pas de direction, même si vous n'aimez pas trop avoir de direction. Il vous ancre dans la réalité, c'est le propre de Saturne. Il nous ancre dans le concret, dans le palpable, dans le dense. C'est une année constructive, positive, où vos projets, vos rêves, vos attentes, vos désirs se manifestent. Ou ont la possibilité de se manifester avec l'énergie que vous allez y mettre. Donc les maîtres mots sont engagement, durée, stabilité, objectif atteint, objectif à long terme. Et c'est assez agréable parce qu'un sextile de Saturne, c'est une énergie très douce. Quand on a un sextile de Saturne, on se sent bien dans sa peau. On ne le dit pas assez, mais Saturne, c'est la peau. Et donc souvent, quand Saturne est dissonant, on n'est pas bien dans sa peau. Et quand Saturne est positif et surtout au sextile, on se sent particulièrement bien dans sa peau. On a l'impression d'être accompli. On se connaît mieux, on se fait plus confiance, on se comprend, on comprend les autres, on est moins dans le jugement, il y a une sagesse qui est là. Et puis surtout, on se comporte de façon plus raisonnable, plus lucide. Et puis Saturne, il a la vertu, la possibilité de consolider les situations. Vous avez également un très beau trigone de Jupiter dans votre signe qui diffuse son énergie d'amour pur, haute en vibration et en inspiration écologique, artistique. Donc votre réceptivité est accentuée. Vous ressentez et vous allez ressentir plus intensément les choses. C'est une année d'évolution psychique, d'évolution spirituelle qui favorise la rencontre d'un idéal presque, la création d'une œuvre inspirée et inspirante. Qui vous permet de vous investir dans votre mission divine et sacrée, qui vous connecte à la lumière pure de votre âme.
C'est une énergie qui peut aussi amener des voyages, des déplacements, l'aboutissement, la concrétisation d'un rêve. Bien sûr, c'est une ouverture à l'invisible, à l'impalpable, au subtil. Je dirais qu'avec ce trigone entre Jupiter en Scorpion et Neptune dans votre signe, principalement, vous avez une dose supplémentaire d'amour, une dose supplémentaire d'inspiration, donc de créativité, et tout ce qui était bloqué et figé se débloque. Dès le mois de mai, Uranus rentre dans le signe du Taureau, donc on sextile de votre signe. Il va vous infuser une énergie boostante, dynamique, de nouveaux projets. C'est une énergie de progrès, d'évolution, d'évolution de la pensée aussi, d'évolution des croyances, de modernisation de votre être, de vos habitudes, de changement. Ça peut être, je refais complètement ma décoration intérieure, mais tous les intérieurs en fait. Au cours de l'été, nous avons également Mars qui va rétrograder en juillet et en août. Il va rétrograder en Verseau et en Capricorne. Vous pouvez là, avec votre hypersensibilité, ressentir une grosse fatigue. Mettez-vous au vert pendant l'été, les poissons. Prenez le maximum de recul. Ne vous laissez pas perturber par des influences extérieures qui, en fait, ne serviraient qu'à détourner votre attention. À partir de la rentrée, vous vous remettez à nouveau dans une énergie positive, de confiance, d'inspiration, avec une petite dimension challenge. Parce que si vous restez dans votre flow, vous savez, le poisson, il ondule, il évolue, il involue. Hein, c'est deux poissons, il y en a un qui va dans le sens de l'évolution et un autre dans le sens de l'involution. Et bon, ça marque en fait le mouvement, les cycles, la possibilité de prendre le risque d'avancer ou de prendre le risque qu'il ne se passe pas grand-chose et de s'éteindre à tout moment dans la vie. Hein. On choisit de vivre pleinement sa vie ou alors on choisit de subir, d'être passif et de s'éteindre. Vous avez la possibilité d'un éveil. Vous avez la possibilité d'un accomplissement. Donc n'éteignez pas la lumière, les poissons. N'éteignez surtout pas la lumière. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cet horoscope créatif, je vous propose de vous rendre sur Astroéthique et de télécharger votre horoscope créatif que vous allez pouvoir recevoir au format PDF directement dans votre boîte mail. Vous pourrez ensuite l'imprimer. Le faire relier si vous le souhaitez, vous faire plaisir comme je l'ai fait. Je suis allée chez Corep, j'imagine que chez Copie 2000 ou Copy Center ou whatever, c'est la même chose. C'est un horoscope que j'ai souhaité positif, inspirant, innovant, ressourçant, créateur, afin de faire de votre année 2018 une année plus riche et plus intéressante. Les classiques rubriques amour, travail, argent, famille, patrie sont nommées différemment. Inspiration de femme Verseau que je suis. Alors, la rubrique travail, c'est je me réalise. L'argent, c'est je prospère. L'amour, c'est j'aime. J'aime en conscience. Je rayonne pour la santé, la vitalité et je crée la nouvelle terre. J'ai souhaité vraiment que cet horoscope vous accompagne tout au long de votre année 2018, mais surtout au début, pour que vous puissiez y manifester vos rêves, vos intentions, vos désirs. Que vous puissiez créer avec les planètes. Donc, quand vous allez découvrir la rubrique travail, je me réalise, bien, vous allez lire ce que l'univers vous propose, c'est écrit de façon assez humoristique, vous verrez. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà, comment moi je vais accueillir cette influence. Ensuite, vous allez découvrir un conte, un poème, un merveilleux texte sur le travail qui est en réalité un acte joyeux de création. Pour vous accompagner dans cette énergie où vous allez pouvoir vivre pleinement de votre lumière. Ensuite, vous avez un compte sur l'argent, qui est une énergie qui circule, de l'astrologie chamanique, une prière d'invocation, des articles inspirés et inspirants, rédigés par des plumes complices que je remercie du fond du cœur, sur l'amour, sur le célibat, l'univers,
Ou Tinder, Tinder ou l'univers pour ma rencontre amoureuse. Ah, est-ce que l'univers va me punir si je vais sur Tinder? Sur le fait que les étoiles naissent dans le chaos, sur le rayonnement au féminin, au masculin, sur les œufs de Yoni, sur tout quitter dans sa vie pour oser être soi, et la sororité. Voilà des articles qui ont été rédigés dans une belle énergie d'amour et de co-création. Et ensuite, un cahier de communication avec l'univers, avec vous-même, où là, vous pouvez effectuer de puissants rituels vibratoires, un rituel pour vous réaliser, un rituel olfactif pour prospérer, une lettre inspirée que vous pourrez écrire à l'univers pour aimer en conscience. Il y a une guidance hein, pour chacun de ces rituels. Et à la fin de votre horoscope créatif, un petit tableau récapitulatif. Quelles sont les planètes co-créatrices cette année? Nous avons Pluton, Neptune, Uranus, Chiron, Saturne, Jupiter, Mars rétrograde, Vénus rétrograde. Quelle est la période à laquelle ces planètes agissent et surtout quelles sont les énergies qu'elles envoient? Et là, mais qu'est-ce que j'en fais moi? Et ça, c'est la partie la plus importante de votre horoscope. C'est vraiment le cœur du cœur, hein, c'est ce que je vous disais au départ, c'est le message, c'est quoi? Ok, j'ai entendu, je nage à contre-courant ou je vais dans le sens? Et si je vais dans le sens de ce message, je cesse de lutter, je ne suis plus en combat, donc si je ne suis plus en combat, ben, je suis plus en combat avec la vie, avec les autres, et principalement, surtout avec moi-même. À partir du moment où je rentre en amour, en amitié avec moi-même, je peux créer ma vie et tout est fluide et tout est ouvert, même si les aspects sont dissonants, en sachant qu'en plus, ils ne le sont pas pour vous cette année, les poissons. Donc, de jolies co-créations avec l'univers en perspective. Voilà, mes amis les poissons, merci. Merci de ce très beau moment passé en votre compagnie, d'avoir écouté votre horoscope créatif. Merci pour tous les beaux partages que nous avons eus en 2017. Je suis certaine que nous en aurons d'autres merveilleux en 2018. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement, à choisir un rêve, un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur pour l'année 2018 et à le faire monter jusqu'aux étoiles, jusqu'à Jupiter, Saturne, Vénus, la Lune, le Soleil, dans un merveilleux bol étoilé, doré, avec la vibration de votre être profond, de votre être intérieur, de votre être créateur. Cette méditation, elle a été guidée, elle a été écrite. C'est une méditation guidée que j'ai rédigée, enregistrée, afin que vous contactiez cette puissance créatrice qui est juste là. C'est le trésor qui est à l'intérieur de vous. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une merveilleuse année 2018 et une très jolie méditation guidée. Gros gros bisous les poissons. Ciao. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine ou un chant mélodieux ou bien encore de la poussière d'étoiles.
Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur. Et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée,
rempli de votre créativité vers le ciel. Et laissez son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous. Et envoyez un grand merci à la magie de la vie.